Dans un voyage en Absurdie, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 2000 et femme jusqu'au bout de sein, ayant oublié l'amalgame de l'autorité du charme. Femme des années 2000, du Colombie, de Carlequin, plus dur qu'un homme politique, plus réel qu'un homme d'affaires. Femme des années 2000 qui ne regarde plus derrière, qui aujourd'hui fait le métier des hommes à la place des hommes. Femme des années 2000 qui n'a plus rien à foutre derrière, qui ne regarde plus le train, qui le prend en marche comme tout le monde. Femme des années 2000 qui se dit qu'elle n'a rien à faire de tous ces cons idiots des hommes qui ne savent plus les respecter. Femme des années 2000 qui savent se battre comme des hommes, qui savent danser comme des hommes. Ça rigole, vous voyez, messieurs. Femme des années 2000 qui arrive à nous dominer, nous mener par le bout du nez pour faire de nous ce qu'elles veulent. Femme des années 2000 qui ne reste plus en arrière, qui font les métiers de tous les hommes, mécaniciens ou pilotes d'avion. Femme des années 2000 qui n'ont plus foi, non aux yeux, qui regardent ce qu'elles font, messieurs. Il faut qu'on fasse très attention. Dans un voyage en Absurdie, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 2000 qui n'ont plus rien à foutre sur terre, qui s'en foutent même des hommes. C'est un crime quand le portable se met à sonner, oui enfin, elles regardent sur leurs épaules, se mettent à ricaner, messieurs. Femme des années 2000, qu'est-ce qu'on va faire, on est foutus, où allons-nous comme ça, nous sommes dans la merde les gars. Femme des années 2000, il est temps de se ramasser, messieurs, d'ouvrir les yeux, de ne pas regarder par-dessus nos épaules. Femme des années 2000, capable de diriger des entreprises, capable de diriger un pays, il y a quelques années, on voyait pas ça. Femme des années 2000 qui prennent le train en marche comme les hommes le font actuels. Maintenant ça devient fou, messieurs. Femme des années 2000 qui sont chauffeurs de camions et même chauffeurs d'engins. Nous devenons fous sur terre. Chauffeurs de bus sont devenus chauffeurs de tout ce que vous voulez. Mécaniciens et plus encore chefs directeurs de travaux. Femme des années 2000, il est temps qu'on apprenne à réfléchir. Nous les hommes, qu'allons nous faire? Demain, ce sera la machine. Dans un voyage en Absurdie, que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme.